Shalom, shalom, Mekulam. Du coup, on va prendre les halachot. Donc, c'était sur le vin des non-juifs. Donc, c'est le parashat Balak, Shana Shniya, deuxième année. So, we're going to go back and finish Bezat Hashem, all the halachot of the wine of non-Jew. And then, we're going to go to and continue the Sefer Megillat Rut, commented by Ben Ishchai Bezat Hashem. So, we were in Halacha 14. So I send the picture on the group. I cannot share it. Let me just, maybe I can share it. Just 1 minute. I need to check if I can share it. And if not, just I need to do something. Je vais juste regarder si on peut partager la photo et on commence tout de suite. C'est le prochain. Okay. Bon, je ne peux pas partager, mais on va continuer. Donc, du coup, Halakha 14. Le vinaigre de vin n'est pas utilisé pour la libation. Est nommé vinaigre, tout vin aigre qui bouillonne et écume activement lorsque l'on le verse sur le sol qui n'est ni trop mou ni trop dur. Alors, c'est très précis comme halakha. So halakha 14, he says like this: the types of vinegar of made out of wine. They are not used to be like a libation for a foreign god, for example. And what is those vinegar? What is the definition according to Halakha? It's the types of bitter wine that have been boiled, let's say, and some like bubble as form on top of it. And when we pour it on the ground, we see those bubbles, let's say. Et maintenant, il explique, c'est alors du vrai vinaigre et il n'est pas interdit si un non-juif le touche. In that case, when we are sure that the wine turned into vinegar, so it became bitter, and also you see all the details that we just described. At that moment, if a non-Jew touch the bottle, it is okay. There's no problem of all that we saw on the precedent halachot. Mais s'il n'est pas aussi fort que cela, il reste interdit au cas où un non-juif le touche. But if one of those notes miss inside of the sign, let's say, if a non-Jew touches it, it's still have the statue of wine, so all the halachot are applying in that case. Parce que nous ne savons pas exactement ce qui s'appelle du vinaigre et que ce liquide n'est peut-être encore considéré encore considéré comme vin. In that case, because we have some doubts about the fact that maybe the liquid is still wine and it's not fully turned into a vinegar. So in that case, we apply the halakha consisting of what? Consisting of if a non-Jew touch the wine, because it's called wine, in that case, we can no longer drink it and no longer take profit of it.
Le vin coupé avec de l'eau est considéré comme vin aussi longtemps que qu'on en sent le goût, et il est interdit si un non-juif le touche. So here we say, a wine that have where we added some water, he keep the status of wine till we always let's say sense the taste of the wine. So in that case, if a non-Jew touch it, it is prohibited for a Jew. Bien qu'il soit encore très acide, le jus de raisin vert, donc vert jus, est considéré comme du vin et il est interdit si un non-juif le touche. So here the Benishai quote special types of juice that are made out of grapes. And it causes the vert jus. I don't know how you say it in English, but it's when you press the grape and you have the first, let's say, first juice. Greenish juice, and here it said that he had the same statue as a wine, and so it is forbidden for a Jew to drink it if a non-Jew touch it. Mais le vert jus, parce que nous ignorons exactement jusqu'à quel moment il cesse d'être considéré comme le vert jus. And here the Ben Ishray is precise that we don't really know when we can consider that this juice is no longer verju. So this is the term in French. I don't know how it's said in English. Mais these types of no. Mais le verju, lorsqu'on verse sur un aliment, prend un goût différent et il n'est pas interdit si un non-juif le touche. À plus forte raison, reste-t-il permis si on l'a fait cuire dans un aliment? So here the how they use it, this kind of specific juice, when they pour it on a specific aliment, food, and his taste change. In that case, when we pour it on a food, and because the taste of this juice change, the rules about non-Jew is not applying anymore because it modified the taste. Mm-hmm. So now, alors 15. Le vin touché par un renégat est interdit, et si celui-ci est idolâtre, il est également interdit d'en tirer profit, dans la mesure où il est interdit de tirer profit du vin touché par les membres de cette secte. So, let me just check what is renégat in English. Okay. Okay, so it's almost the same word. So he said here, Alakha 15, the wine touched by a renegade is prohibited if he is an idolater. So what does it mean? It means that if he wasn't an idolater, you can. It is permitted. Let's see. Il est également interdit d'en tirer profit. Yeah. So here the Manishai add, it is forbidden to take profit of it. So the in that case, we have the two points. First, not drink from it, and second, not taking profit for it. And we saw that if a guy and someone that came from other nations touch, is not idolater. Yeah. So, if he's not an idolater like the Ishmaelites, as we saw on previous Anachot, in that case, when he touched the wine, we cannot drink it, but we can take profit of it. Sir. Okay. S'il s'est converti à l'islam, le vin n'est interdit qu'à la consommation. So here, he precise exactly. If this renegade convert to Islam, which is the religion of the Ishmaelites, the descendant of Ishmaelites, the wine is only prohibited by the to drink from it, but we can take profit of it. Les esclaves d'un juif, s'ils n'ont pas fait la mila et ne sont pas convertis au judaïsme, rendent le vin interdit en les touchant. So some slaves, let's say, yeah, slave, Jewish slaves
if they didn't make halakha, milah, sorry, and they didn't convert, in that case, when they touch the wine it will be prohibited also. So halakha 16, we have two more halakhot, and then we finished and we go to the other sefer. So halakha 16, le midrash. Oh, le midrash Talpiot rapporte au nom de Rabbi Menachem Abavli qu'il est préférable de se montrer plus strict et de ne pas boire le vin qu'un non-juif a vu, même s'il ne l'a pas touché. So here, Benishai says something interesting. In the midrash Talpiot that brings the Rabbi Menachem Abavli, he said that it is preferable not to be more strict and not to drink a wine from a wine that a non-Jew saw. So here, this in this midrash, it's more strict. Let's say in terms of halacha, if a non-Jew saw the wine, he consider that it is, in that case, it is already enough to not to drink from it. C'est également ce qu'on rapporte au nom du Sheila. Okay. Et c'est également so he also brings the same opinion that the Sheila, mais c'est certainement autorisé par la halakha. But he said that certainly it is permitted by the halakha. Et s'il ne s'agit pas d'un non-juif idolâtre, mais d'un ishmaélite, il n'y a même pas lieu d'adopter une conduite aussi stricte ou une mesure de piété plus grande. And he said, if it's the non-Jew that saw the wine in that case, in that specific halacha, he is an Ishmaelite, which is considered who is not idolater. There is no need to be to have a really strict behavior according to the wine, and that's basically what he's saying. And then, halakha 17, et là, c'est le dernier, on a fini Bezat Hashem. So, halakha 17, qu'est-ce qu'il dit? On ne confie ni n'envoie de vin par l'intermédiaire d'un non-juif que dans un récipient scellé d'un double seau. So, he say, we can only give a bottle of wine to a non-Jew for him to take from point A to point B, the recipient of the wine is sealed, doubled sealed, let's say, un bouchon parfaitement étanche, comme ce qu'on met pour empêcher le vin de couler. Peut être considéré comme un premier seau, et un nœud sortant de l'ordinaire réalisé par-dessus constituera un second seau, d'après l'opinion de Avodat Gershoni et le Parach Maté Aharon. So here, what is those two double seals? First, we can use the ordinary pit. I think this is the name of it. Let me check. Cork or plug. Let's say cork. This the first thing. It is the first seal, and then we need to add a nut on it. A really unusual nut. For it to be considered as two seals. Mais Pricré lève conteste cette opinion et pense que cette façon de procéder n'est valable que lorsqu'on laisse le vin en dépôt chez le non-juif. And then Ben Ishray brings another opinion that came from Pricré Lev, who contests this opinion and say that this way of doing it's only available when we want to put our some wine in a non-Jew's place, but not to transport. That means that this. But and then he continue.
On ne peut, en revanche, considérer le bouchon étanche comme un premier sceau si on charge le non-juif d'apporter le vin d'une ville à un autre. So here he said, we cannot consider the cork as a first seal if we ask a non-Jew to bring the wine from one town to another town. Why? And he explained, voici alors ce qu'il convient de faire. So he said, this is how, what is the best to do in that case. On bouche la bouteille d'un bouchon bien serré et on enduit ce bouchon d'un enduit cire à cacheter. So first step, you need to put the cork on the bottle, and then we put, let's say, what is this? A wax, yes. Yeah. Put a wax on top of it. A wax that, let's say, yeah, just a wax. Ce qui constitue un premier sceau. So this is the first seal. On imprime alors un sceau sur la cire. So we put, we print some something on top of this wax, ou on réalise un nœud sortant de l'ordinaire par-dessus. Or we can use a knot, but an ordinary knot. That, so it's not basically the simple knot that we do when we do our shoes. It needs to be something extra, let's say, it's not common. Yeah. Et si on n'a pas enduit le bouchon de cire, deux sortes de nœuds de bizarres, différents l'un de l'autre et sortant de l'ordinaire sur l'orifice du récipient sont également considérés comme deux sceaux et c'est permis. So he said, so if we don't have wax to put on the top of the bottle, sorry. In that case, we can use two types of knot, but that always they are not common. We need to those two knots to be something that is not common, and to be considered as two seals, as we saw on the halakha. Il en est de même si on a écrit deux lettres à la main. Cela sera considéré comme deux sceaux, à condition que la personne à laquelle on envoie le vin connaisse cette écriture. So he said, when we put an image or something on the wax, we can put two letters. And the two letters, you need the other person to receive the bottle to be able to read those letters. Cette obligation de porter un double sceau ne concerne pas seulement le vin, mais tout aliment susceptible d'être interdit par la Torah. So he said that this way of doing, by using two seals, it's not only for wine, but it's also for all the food that can be prohibited according to the Torah. Un sceau suffit en revanche si cette interdiction est seulement d'ordre rabbinique. He said that only one seal is necessary when the prohibition came from the rabbinical, order. But if it came from the Torah, we need the food to be sealed with two parts. Ok. Alors, on a fini la parashat Balak, et Be'ezrat Hashem, demain, du coup, on ouvrira la parashat Pinchas avec les halakhot concernant l'obligation de faire un parpaing à son toit, pratique et aliment interdit parce qu'il présente un danger. C'est ça alors le titre. Non, on va aller en détail Be'ezrat Hashem demain. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller directement à Megillat Ruth. So, Megillat Ruth. Pareil, j'ai aussi envoyé la photo sur le groupe. Je vais juste vérifier si c'est bon. Mais normalement, tout y est. Oui.
Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Juste. Ok, so, maintenant, le Ben Ishraï va commenter le Passouk 6. On va aller à le Passouk 6 de Megillat Ruth. Donc, on va d'abord lire en hébreu. Je vais juste voir ici et je vais partager l'écran. Donc, on est dans Ruth et chapitre 1, verset 6. Alors, je vais partager l'écran comme ça, on a la même chose. Voilà. Donc, je vais lire d'abord en hébreu. On est ici. Vatakam hi vekaloteha vatashav misde moav ki shamsham'a bisde moav ki pakad Hashem et amo la tête lahem lechem. So, donc voilà, this is the pasuk that the Ben Ishraï wants to connect to comment. And let's read it first in French. Translate, sorry, in French, il dit comme ça. Elle se disposa, alors, ainsi que ses brus, à abandonner les plaines de Moab, car elle avait appris dans la plaine de Moab que l'Éternel, s'étant souvenu de son peuple, lui avait donné du pain. Okay. Et in English, he says the text says like this. Then she aroused with her daughter-in-law that she might return from the field of Moab. For she had heard in the field of Moab how the Lord had remembered his people in giving them bread. Okay. So, let's go back here. And what the Ben Ishraï is saying here. Let me just check if we have Telegram here. So that I can share the picture. I'm not sure. Oh, it's not working. Okay, so. Ça marche. Bon. Je vais aller du soir parce que tu es en train de. Moi, je commencerai le cours vers 15h30. 15h30. Okay. So let's read together with attention. So he said, "Nira leparesh besiata dishmaya ki inyan ze rimuz David Ameler al avashalom beshirutav dehava meshabeah leakadosh baruch hu teivim kaf mem vav pasuk zayin." So he said that Ose Mishpat Lashukim Noten Lachem so la Revim Adonai Matir Asurim Adonai Poker Ivrim Adonai Zoker Kefufim Adonai Ohev Tzadikim Adonai Shomer Etgerim Yitom Yatom Vealmana Yeodet Vederer Shaim Yeavet. So this pasuk Ben Ishraï connected all this pasuk that we say every morning on Shaharit. And connected it to the Pasuk Vav of Megillat Ruth. So let's see what the Ben Ishraï wanted to say about it. So he said that the main Inyan Ze, this Pasuk is connected to the Tehillim of David HaMeler that I just read. And I will show it to you maybe like this because I cannot share the screen. It's a Tehillim that we read every morning, the Tehillim 146.
And he says like this, let's try to find it and to translate it together. No, I have a translation in French, so let's try to translate it here. So here, he connected it to the Pasuk Zayin. So he said, Ose Mishpat la Shukim. So he said, en français, ça veut dire comme ça, il fait justice aux opprimés. And in English, Hashem make justice for those who for the oppressed, those who are oppressed. Noten lechem la evim, donne la nourriture à ceux qui ont faim. So the second part, Hashem give food for those who are starved. Hashem matir asurim, l'Éternel délivre les prisonniers. So the God So Hashem free the prisoners. Okay. Hashem poker ivrim, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. So here he said, Hashem open the eyes of the those who are blind. Hashem zokef kefufim. Hashem l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. So here he said also, Hashem. Let's just check it. Straighten, yes, those who are binded, let's say. L'Éternel, Adonai ohev tzadikim. L'Éternel aime les justes, so Hashem loves just. Adonai shomer et gerim. Hashem, l'Éternel protège les étrangers. Alors, ici, c'est mal traduit, ce n'est pas guérim, c'est les convertis. Les guérim, on sait dans la Torah, ce sont les convertis. So here he said, Hashem protect the guérim. So here it is translated as strangers, but also we know that guérim means although those people who have been, who convert themselves to and to come inside of the Dat Israel. Dat Israel. The faith of Bnei Israel. And he stopped where? Here. Yatom ve'almana ye'aded. The orphan, les orphelins et les veuves, il fortifie. He said that orphan and how he say it? Orphan and widow, he give power, fortifie. Et ve'derer reshaim ye'aved. Et la voix des méchants, il considère comme tordu. And he said that the way of the reshaim, which is, let's say, the bad person, he considered it as a, so tordu is, it's like twisted. Yeah, twisted, exactly. So this is the passage that the Ben Ishray connected with this pasuk of Megillat Rut. So what he's saying about it? V'hayenu hakavana ki chelakim atovim shel Rut v'zara hakadosh ki ashukim tchila bekalpet Moav v'hakadosh baruch hu yidbarach shemo ose mishpat la'ashukim. So he explained the first verse. He said, I will just go back to read. He said, "V'hayenu hakavana." So this is the way to understand it. Ki chelkim ha'atovim shel Ruth. So the part that came out of Ruth and her descendants are kadosh. Kadosh. They are holy. Yes, holy. The part that came from roots are holy. What that we know that from roots will come
David Ameler and all the Malchut Yehuda. On sait que depuis Ruth va venir David Ameler et aussi la royauté de Yehuda et aussi de Israël. Donc on sait que la descendance de Ruth est quelque chose de saint, kadosh. Qui ashukim tachlit be klipat Moav. And he said that. Just I need to check 1 minute. Ashukim. So here he said that those roots at the beginning have been trapped inside the klipat Moav. We know it, and when we with all the pasukim that we worked together since more many weeks, we know that root is trapped inside the klipat, inside the, let's say the, how can you say the klipa? Klipa is like let me check. A shell, the shell of Moab, let's say. And here he said like this, he, Ashukim, Trilat, be, Bakipat Moab, Ve'akadosh Baruch Hu, Yitbarach, Shemo, Ose, Mishpat, Lashukim. And he said that in that case, because Ruth was trapped inside the Klipat Moab, Akadosh Baruch Hu, in his greatness, made justice for those who is oppressed. So in that, so this is the pasuk of the Tehillim. Ose mishpat lashukim ha'ela le'afridem miklipat Moav. So by using the justice, because for those who are oppressed, HaKadosh Baruch Hu managed to take out the soul of Ruth, en faisant en fait la justice, en appliquant la justice aux opprimés, comme dit le passage de Tehillim que Ben Ishraq commente. En fait, Hachem a réussi à extirper l'âme de Ruth dans cette klipa, c'est-à-dire la, comment on peut traduire ça en français, une klipa, c'est une sorte de coquille de comment? L'écorce, merci. L'écorce de Moab, exactement. Juste, je vais juste voir quelque chose parce que. Ok. Chacun y a. Amen. Ok, sorry, excusez-moi pour ça. Ok, donc on continue l'explication. Shalom, shalom, Rabbanit Emouna, bienvenue. Shalom, Rabbi. Shalom, Rab. Ah, shalom, shalom. Du coup, là, on est sur Megillat Ruth. Et on continue en fait le pasuk 6 qui est le commentaire de Ben Ishraï sur ce pasuk justement. Donc en fait, pour faire un petit résumé, le Ben Ishraï a connecté donc le pasuk 6. Alors, peut-être que je vais refaire de nouveau la traduction pour vous. Je vais juste partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, Rabbi. Donc, c'est ce passouk-là que le Ben Ishraï commente, en fait. Donc, en français, je vais le mettre directement en français pour que vous puissiez voir. Donc, je vous laisse lire, je vais lire encore une fois, c'est pas grave. Donc, ici, il dit, « Elle se disposa alors, ainsi que ses brus, à abandonner les plaines de Moab, car elle avait appris dans les plaines de Moab que l'Éternel, s'étant ressouvenu de son peuple, lui avait donné du pain. » Donc, ça, c'est le passage que Ben Ishraï voulait commenter. Et en fait, il le connecte au Tehillim 146, qui dit comme ça, « Ose mishpat la'ashukim ». Alors, je vous pose justement la question, où est-ce qu'on trouve ce Tehillim, ces passages-là? Parce que normalement, on le retrouve
dans une prière, mais faut, si vous pouvez m'aider à trouver. Donc, il dit, Osei mishpat la shukim, neten lechem la evim, Adonai matir asurim, Adonai poker ivrim, Adonai zoket kefufim, Adonai rohev tzatikim, Adonai shomer et gerim, yatom ve'almana ye oded. Pardon. Ve'derer rechaim ye avet. Ça, c'est le passage. Est-ce que vous savez où est-ce que, quand est-ce qu'on nous dit ça, ce Tehilim-là? C'est pas dans la Mille. Pardon? Ça me dit quelque chose, mais c'est pas dans la Mille. Oui, c'est dans la prière. C'est dans la prière du matin, Shacharit. Oui. C'est quand on. En fait, c'est juste après avoir fini Ashrei. Ah oui. Donc il dit, oui. Alléluia. Donc ça, c'est la fin de Ashrei. Et il y a un autre Tehilim qui commence. Et c'est le Tehilim 146. Et en fait, c'est un passage qui est au milieu. Alors désolé pour ma voix parce que je suis en train de la perdre. Les attachés, je retrouve bientôt. Mais donc c'est dans ce Tehilim-là. Je ne l'ai pas pris en photo, mais ici. Je ne sais pas si vous avez reçu la photo en fait, parce que je n'ai pas le groupe, mais je ne suis pas dans le groupe Metaven. Vous êtes dans le groupe Eliezer Programme? Non, on n'a pas eu Rabbi, non. Bon, alors je vais vous juste montrer ici, parce que j'essaie de traduire du coup en français. Donc ce passage-là, il dit, « Il fait justice aux opprimés, donne la nourriture à ceux qui ont faim. » L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, donc les guérim, donc les convertis, les orphelins et la veuve. Il fortifie et la voix des méchants, il considère comme tordue. Donc ça, c'est la traduction du passage. Et donc là, en fait, le Ben Yishraï est en train de commenter chaque point. Pourquoi il veut connecter ça à ce passouk-là de Megillat Ruth. Donc, on est ici. Donc, en fait, il expliquait, maintenant, je vais faire juste le résumé, c'est que, en fait, la première partie, donc, il dit que il fait justice aux opprimés. Donc, il, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. En fait, il le connecte sur le fait que Ruth et donc sa belle-mère, Naomi, ils étaient dans les champs de Moab. Donc, ils étaient en fait emprisonnés, entre guillemets, dans la Kipat Moab, ou dans les Corses de Moab. Et ils étaient, entre guillemets, on va dire, emprisonnés et opprimés. Et de là, Ben Yishraï dit que parce que, dans le passage justement de Tehilim, il dit que Hachem fait justice aux opprimés, il le connecte avec ce cas-là de route, où pour pouvoir l'extraire de la Kippat Moav, Akadosh Baruch Hu a appliqué la justice de Mishpat. Oui, la justice. Donc là, on était là. Et Dvarar, Shemo, Ose, Mishpat, la Shukim. Et là, les Afridam, Miklipat Moav. Donc c'est comme ça qu'a été appliquée l'extraction de route, on va dire, depuis la Kippat Moav. Et où Kaasher notem nechem la evim. Et il dit, c'est pour ça, qu'il continue du coup le pasouk et donne la nourriture à ceux qui ont faim. La evim. She pakad Hashem et amo la tête lahem lechem. Donc il y a écrit dans ce verset là qu'en fait Hashem s'est resouvenu comme on avait vu ici. Je vais remettre. En fait, je vais laisser comme ça le texte on l'a. Ici. Et l'Éternel s'étant souvenu de son peuple, comment lui avait donné du pain. Donc en fait, c'est exactement ce que dit en fait le Tehilim de David Améler aussi, où il dit Noten lechem la evim. Il donne du pain à ceux qui ont faim. Et c'est connecté à la remémoration d'Hachem de son peuple et lui a donné du pain, lechem. Donc là, on est en train de suivre, en fait, en gros, tout le CDR de Tehilim de David Améler. Az oto zman Hashem matir asurim. Hem aneshamot rut ve zaro. Et par la suite, il dit,
Et de là, c'était le temps où Hachem avait délivré les prisonniers. Donc, c'est qui ces prisonniers? Ben, on sait maintenant que c'est Ruth et sa sœur et sa belle-mère. Et on va dire Ruth et sa belle-mère, parce que Orpah, après, ne va pas les suivre. Chez Az, Oto, Zman, Yata, Ibet, Maaseh, oui, Shel Moab, Uba, Im, Naomi, les âmes Israël. Donc, comment se traduit, comment Ben Israël explique cette délivrance des prisonniers? Parce que, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Parce que le fait qu'ils soient prisonniers, encore une fois, dans le Klipat de Moab, ça, en fait, quand ils étaient dans les champs de Moab, c'est la prison. Et comment, à travers le fait que Hachem va les délivrer, c'est par rapport à ce que dit le Passouk de David Améler, ils vont aller de Moab à Eretz Am Israël, le peuple d'Israël. Et on sait que Hachem s'est souvenu de ce peuple-là, et c'est là-bas que Hachem a donné le pain. Et on va voir aussi la connexion avec l'Echem qu'on avait vu, en fait, avec le Kinras hier matin. Mais N, Otar, Ha, Maasev, Amar, Hachem, Poker, Ivrim, chez Fakad, Inyan, chez Tavin, Be'amitav, non, de Amitav, pardon, Dat Israël. Ve'af alpi chez Akvida Alia Naomi be Devarim be Inyan Hadat Lo Nathan. Je vais juste lire, on va prendre les informations. Lo Natata Acher Maase Orpa le bou la chouve ima. Donc ici, maintenant, il explique le Hachem Poker Ivrim. Hachem ouvre les yeux des aveugles. Alors, c'est qui les aveugles, alors? Si on suit la logique, est-ce que vous pouvez me dire un peu qui est les aveugles dans ce cas-là? Celui qui n'est pas dans la Torah, peut-être? Celui qui est emprisonné Et dans ce cas-là précis, c'est ça représente qui dans l'histoire dans le Megillat Ruth, pardon. Ça représentait peut-être Ruth avant. Exactement. Rabban Emouna a donné la réponse. En fait, là, pareil, celui qui elle a donné une très bonne explication dans le sens où celui qui est aveugle, c'est celui qui n'a pas de Torah pour pouvoir voir les choses de manière claire. Et ici, justement, dans Botsina Kadisha, peut-être qu'on va s'arrêter sur ce point-là et regarder exactement ce qu'il en est. Parce que comment peut-on voir correctement? Parce qu'on utilise les yeux, mais finalement, ces yeux-là vont être limités à ce qui est possible de voir. Alors, c'est tout la sugya qu'on étudie ici à Botsina Kadisha, c'est de travailler les yeux, mais à connecter à la chokhma, c'est-à-dire la sagesse, et non pas regarder juste par rapport à l'œil purement mécanique où on voit les choses qui sont limitées, on va dire. On va juste regarder ça. On sait que les mochines, c'est-à-dire les cerveaux, dans l'étude de la Torah, les mochines, c'est composé de quoi? Alors là, je vais poser des questions. Les mochines, c'est quoi? C'est les cerveaux, les trois cerveaux. Mm-hmm. Et c'est quoi les parties? Bina. Ok. Rorma. Et puis, c'est qui fait les deux? Dar. Okay. Donc, Rabbanit Emouna a dit la bonne réponse. C'est le mochin, ou alors ou ce qu'on appelle le cerveau, dans la Torah, c'est composé de trois parties.
il y a Chokma, Bina, et le mix des deux, chaque partie va donner une, chaque Chokma et Bina va donner à chaque fois une partie ici pour former Da'at. Donc, comment on pourrait traduire ces trois termes-là? Chokma, ce serait quoi? Sagesse. Sagesse, exactement. Alors, je vais écrire. Comme ça, on a les mêmes termes. Sagesse. Bina. Intelligence. Oui. Intelligence. Et Da'at. Connaissance. Exactement. Donc, ça, selon la définition de la Torah de ce que c'est que le cerveau, il est composé de ces trois parties-là. Chokma, Bina, Da'at, qui sont sagesse, intelligence et connaissance. Et ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, j'ai fait des études en neuropsychologie. Donc, en fait, on a étudié un peu la structure du cerveau, comment c'est construit. Et le cerveau, quand on veut comprendre vraiment ce que c'est, effectivement, on a aussi trois parties. Le cerveau qu'on connaît, c'est l'hémisphère droite. Alors, dans la science, il explique comme ça. Hémisphère droite, hémisphère gauche. Et ce qui relie les deux, c'est... ça s'appelle le corps calleux, mais en fait, on va voir. Donc ça, c'est cerveau droite, cerveau gauche. Et ce qui est au milieu, ils sont reliés par une fibre blanche, en fait. Et ça s'appelle le corps calleux, ce qui fait qu'il va réunir les deux. Et en dessous du corps calleux, qui permet de tenir, c'est le tronc cérébral. Alors, c'est marrant pourquoi je fais ces dessins-là, parce qu'on va aller justement connecter ces deux choses-là que les sciences, en fait, on décrit bien plus tard avec l'avancée technologique, mais nos sages avaient déjà les mêmes notions, mais en plus, dans les détails, pas seulement s'arrêter sur la structure matérielle des choses, mais aussi la structure surtout spirituelle, ou ruhani en hébreu, spirituelle, qui sont derrière. Donc, ici, on a quoi? Donc, du coup, Chokma, Bina, Da'at. Et chez les scientifiques, il y a fait ça, cerveau droite, cerveau gauche, et corps calleux et transcérébral, on va dire. Et pourquoi on parlait de ça? Parce qu'on parlait du passage. Hachem ouvre les yeux des aveugles. Et Arabanit Emouna parlait que quelqu'un qui est décrit ici comme aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas la Torah. Effectivement, dans le cas de Ruth, avant qu'elle se convertisse et qu'elle suive sa belle-mère en disant « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple », etc. C'est le fameux passage de Ruth. Et ben, en fait, à ce moment-là, elle s'est convertie. Elle s'est connectée à la Torah, et parce qu'on se connecte à la Torah et qu'on applique les mitzvot, à ce moment-là, on a une sagesse qui nous permet de ne plus être aveugle. Alors, c'est ça, en fait, qu'on va essayer de voir ensemble. Bezat Hashem. Et du coup, la sagesse. La Torah, elle vient d'où? Selon ce qu'on a étudié avec les livres de Arizal, de Ben Ishraï, et etc. D'où vient la Torah? Dans Kohelet aussi, on a étudié. C'est quelle partie de ces trois-là? De la Chokma? Non. Vous avez deux possibilités encore. Sur les trois. Donc, c'est pas Chokma. Bina, non? Oui, exactement. Ah. On dit que la Torah vient de la Bina, connectée à la Bina. Oui. Alors, du coup, je ne comprends pas. On dit que quand on étudie la Torah, on a une sagesse pour pouvoir voir les choses différemment. Donc, on n'est plus aveugle. Mais sagesse, c'est la Chokma. Comment ça se fait que la Torah
se situe dans la Bina. Rabbi, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Alors, en fait, dans tous les kits Véhari, c'est-à-dire les écritures de Arizal, et aussi même dans le livre de de Shlomo Ameler, là-bas, on parle de Bina et de Chokhma. Et on dit que de Bina sort la Torah. D'accord ? Jusqu'à maintenant, c'est bon ? Oui, oui. On avait dit que lorsque... Et justement, c'est vous qui avez dit comment on arrête d'être aveugle en étudiant la Torah. Et quand on étudie la Torah, on va avoir en fait un regard plus sage sur tout ce qui se passe, sur ce qui se passe de manière... superficielle, quand on regarde que à travers les yeux physiques. Il y a d'autres choses qu'on peut voir, c'est-à-dire qui n'est plus physique mais qui va être ruhani, spirituel. Mais ça, on l'obtient, cette là, comment on l'appelle, l'œil à travers la sagesse de la Torah. Alors ma question, c'est comment ça se fait que la Torah est connectée à Bina, mais que quand on veut utiliser un œil correctement connecté avec la Torah, on parle de regard d'un sage. C'est quoi, en fait, en gros, c'est quoi la connexion? La connexion entre ça. Torah, Bina, et Chokhma, c'est quoi alors? Déjà, quand on étudie la Torah, on grandit la Bina en nous, c'est-à-dire la Torah nous apporte de l'intelligence, parce que la Bina, c'est... Et le fait d'étudier, on apporte des lumières ici, c'est-à-dire dans le cerveau gauche et aussi dans le cerveau droit. Le fait d'étudier, on apporte aussi la lumière dans le cerveau droit. Donc, du coup, c'est quoi c'est un rapport avec le nom de Hachem? Oui, c'est un rapport, bien sûr. Donc, je vois, en fait, j'ai suivi tout le processus. C'est vrai que cet aspect-là, on avait déjà vu et vous avez raison. En étudiant la Torah, on ramène des orot, c'est-à-dire des lumières, dans le Chokhma Bina. Et aussi, mais on ne va pas parler de Da'at dans ce cas-là, juste Chokhma Bina. Mais que je voulais, en fait... Là, dans la direction dans laquelle je voulais aller, c'est dans ce sens-là. En fait, la Torah, c'est composé de lois. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et aussi, c'est composé, on va dire, de textes qu'il faut étudier. Comme c'est des, entre guillemets, des histoires. De nos pères, de nos avot. Et en fait, ça... Lorsqu'on étudie la Torah, on va pouvoir comprendre les lois qui sont incombées à ceux qui veulent s'attacher à la Torah. Pourquoi on en a besoin de lois? On a besoin de lois parce que pour pouvoir justement nous prévenir, mettre un cadre à tout ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on a généralement on a une fausse idée de la liberté. La liberté selon ce qu'on entend surtout, on va dire, dans les pays occidentaux, c'est je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Et en fait, cette notion de liberté dans ce sens-là, c'est juste, c'est quelque chose qui a été, on va dire, en fait, c'est pas les mêmes rapports que la liberté que la Torah peut apporter à quelqu'un. C'est quoi, hein? En fait, il faut que je parle du coup d'un autre point. L'homme, vous voyez le tableau, oui. L'homme a été créé avec deux yéter. Il a été formé avec deux yéter. C'est quoi? C'est une formation. Le bien, Tom, et Ra, le mauvais, entre guillemets. Donc tout homme qui existe, il a deux côtés. Le bon et le mauvais, pour être vraiment simple. Et en fait,
On sait que de 0 à 13 ans chez l'homme et de 0 à 12 ans chez la femme, il n'y a que ce côté-là, le Yetzer Hara, qui se développe énormément. Il n'y a pas de côté bon qui se... Si, il y a bien sûr, mais si on fait la comparaison, c'est plus le Yetzer Hara qui va dominer. Et ça, on voit d'ailleurs dans les comportements des enfants où, en fait, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est tout ce que le corps demande, on veut, et le Yetzer Hara veut qu'on les réalise. Si l'enfant a faim, automatiquement, il va pleurer pour pouvoir recevoir à manger. Et c'est quelque chose de vital à la base. Si on n'a pas ça, si un enfant n'a pas ne sait pas communiquer son envie de corporel quand il est encore enfant, mais qu'en fait il est en train d'être par exemple d'avoir faim, mais il ne pleure pas, les parents ne sauront pas qu'il a faim et donc ils ne vont pas apporter à manger. Dans ce cadre précis, en fait, l'enfant et le Yetzer Hara, c'est un besoin. C'est pour pouvoir comprendre déjà les besoins de l'enfant au niveau du corps. Jusqu'à 13 ans, ce côté-là va être en fait travaillé. Le Yetzer Hara va se développer dans le sens où, maintenant, à partir d'un certain âge, l'enfant, quand il veut manger, par exemple, je vais prendre des exemples très bêtes, pas bêtes, mais très simples, il veut manger des bonbons tous les jours parce que le sucre, c'est quelque chose qui est addictif. Quand on prend du sucre, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Il n'y a pas de limite, justement. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est la notion. Il n'y a pas de limite. Donc, l'enfant, parce qu'il n'a pas encore développé son côté tort, il n'a pas de limite. Quand il veut quelque chose, il le veut. Et s'il ne l'a pas, il va pleurer, il va faire la misère à ses parents jusqu'à ce qu'il obtienne. Parce qu'il est soumis à son Yetzer Hara qui est source, en fait. Tout ce qu'il veut, ce côté-là, c'est juste de pouvoir assouvir les besoins corporels. Et dans ce cadre-là, c'est illimité. Mais à partir de 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe à 13 ans chez l'homme dans le judaïsme? C'est le petit garçon. Pardon? Oui, exactement. Il y a Bar Mitzvah. Et chez la femme, ça s'appelle Bat Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bar mitzvah. Bar, c'est en araméen, ça veut dire béné, qui est fils. Et mitzvah, c'est quoi? Les mitzvot, ce sont les lois. Ah. Donc en fait, à 13 ans, un enfant qui est né, donc béné Israël, il est chayav, il est obligé maintenant d'appliquer toutes les lois qui sont écrites dans la Torah. Toutes les lois. Il ne peut pas dire non, en fait, celui-là, il est bien, mais celui-là, pas. Non, non. Il doit le prendre. Il devient un bar mitzvah, ben mitzvah. Et pareil pour la fille à 12 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? À ce moment-là, on est en train de dire, maintenant, tout ce que tu vas faire, tous tes comportements ici, va compter dans le sens où tu es responsable maintenant de tes actes. Si avant, tu étais soumis à ton Yetzer Hara. Maintenant, on t'a donné les outils nécessaires pour justement ne plus être soumis. Donc, ne pas être comme un enfant, dans le sens où il y a une limite aux choses. Quand il y a une limite, c'est là où, en fait, on devient vraiment libre. Pourquoi? Parce que ici, comme disent justement la définition de la liberté selon les Occidentaux, je peux dire ce que je veux, je peux penser ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Ça, en fait, c'est un signe d'enfant, de quelqu'un qui n'a pas de cadre, quelqu'un qui manque justement qui est soumis. Au contraire, en disant que je suis libre, il est soumis à son côté rare, à son besoin corporel uniquement. Quand quelqu'un sait justement qu'en lui, il a un besoin corporel, mais il y a aussi du tov. Du tov, c'est quoi? Étude de Torah. Et aussi... Je ne suis plus soumis à ce Yetzer Hara là. Donc, je suis libre de choisir justement à quel moment je m'arrête. Il y a une limite. Ça devient quelque chose qui est cadré. À ce moment-là seulement, on devient libre. C'est pour ça que on voit dans l'histoire des Béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte pour être libres, juste après, qu'est-ce qui s'est passé?
on reçoit Matan Torah, on reçoit la Torah. On dit qu'on est libre, on a été libéré du pays d'Égypte pour recevoir finalement des lois. Mais c'est quoi cette logique de liberté? Selon la définition autre que la Torah, c'est un peu bizarre. Comment tu te sens libre en ayant des lois? En fait, les lois, justement, te donnent maintenant la capacité de choisir d'être libre, justement, en disant ça, ce côté-là, je sais que je l'ai, mais je donne une limite à ça. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui choisit lui-même, justement, de faire les choses et non pas soumis au côté rat. Donc, toute cette explication-là, maintenant, pour me connecter à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? On sait que la sagesse, c'est lié au midot, tovot. C'est que ça. Les midot, c'est quoi? C'est les... Comment on peut traduire ça en français? C'est les traits de caractère. Traits de caractère. Les traits de caractère, on sait que dans le Kitvehari, non, le Rabbi Chaim Vital, dans Char et Kedusha, là-bas, il y a quatre principales, on va dire, traits de caractère positifs. C'est quoi? Je vais l'écrire ici. C'est Anava. Anava, c'est quoi? C'est être humble. Anava, deuxième. C'est le silence. C'est-à-dire, oui, c'est être silence. Le troisième, c'est avoir le dégoût pour tout ce qui est plaisir corporel. Il y a tout un terme, alors c'est on va dire dégoût, pour essayer d'aller un peu plus vite. Dégoût, des plaisirs. Toutes sortes de plaisirs, que ce soit corporel, que ce soit psychique. Plaisir. Et le dernier, happiness. Ah, on ne voit pas. Si vous pouvez voir ici. Ah, alors attendez, juste que j'essaie de pressionner ça. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? Être joyeux. Ça, c'est les quatre principaux traits de caractère qui sont dans le tov, dans le bon, ce qui est associé à ce point-là. En fait. Ces quatre-là sont ici. Et en fait, en face de ça, on a les traits de caractère qui sont mauvais. Alors du coup, en face d'être humble, on a quoi? Et l'orgueil. Exactement. Comme a dit Rabbanit Emouna, en face de humble, on a orgueil. Et là-bas, dans Shah avec Edusha, le Rabbi Chaim Vital associe l'orgueil à la colère. C'est la même chose, c'est les mêmes midot, c'est les mêmes traits de caractère. Orgueil et colère, c'est un. Quand quelqu'un est colérique, ça montre qu'il a il a beaucoup d'ego, d'orgueil en fait. Donc, après le silence là-bas, ce serait quoi? Le silence, quelqu'un qui parle beaucoup. Exactement, quelqu'un qui parle beaucoup et parle de choses vaines. C'est quoi, oui. En fait? Parle de choses vaines, c'est par exemple parler de tout et de rien, mais pas de la Torah. Parce qu'en fait, ici, on sait que le silence, ça s'applique. Mais uniquement, on peut parler, quand on a atteint un certain niveau, que uniquement de la Torah. Et aussi, il y a écrit là-bas, et donner du kavod à la création d'Hachem. On peut parler dans ces cadres-là spécifiquement. Mais sur le reste, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait, tout ça, c'est des choses, ça s'appelle parler inutilement. Alors, je vais mettre parler inutilement. Et incluant dans parler aussi, c'est tout ce qui est mensonge, lachonara. Parler mal sur quelqu'un. Tout ça, c'est inclus dedans. Lachonara. Le troisième, c'est quoi? Dégoût des plaisirs. Donc, on peut comprendre de là. C'est en fait tout ce qui est plaisir.
Et le dernier, c'est quoi? Si là-bas, c'est joyeux. Tristesse. Ici, tristesse, exactement. Et là-bas, dans Shara Kedusha, encore une fois, Rabbi Chaim Vital, il parle de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'études de Torah. Il n'y a que ça. Alors, c'est très... Pourquoi? Alors, comment il explique ça? Comment on peut expliquer ça, plutôt? Il dit que quand on court après le bonheur, tout ce qui est bien, en fait, mais comment on essaie d'assouvir ces bonheurs-là uniquement au niveau matériel? Et c'est uniquement ça que la société nous propose. On nous dit, par exemple, pour être heureux, il faut avoir tel appareil, il faut avoir telle maison dans tel quartier, il faut avoir tel travail, il faut avoir que de la possession. Il faut aller, faire des vacances ici et que tu vas voir que tu vas être très heureux. Mais on sait que tout ça, c'est basé sur la physicalité, et on sait que tout ce qui est physique, tout ce qui est matière est lié au temps. Et qu'à un moment, il y a un début, mais mais il y a aussi une fin. Du coup. Mais pourquoi alors maintenant le Rabbi Chaim Vital connecte tout ça à la Torah, le fait d'être joyeux? Parce que quand on se connecte à la Torah n'est pas liée au temps, la Torah est intemporelle. Elle a été écrite une fois, elle a été descendue une fois ici dans notre monde, et depuis qu'elle a été donnée, ça n'a pas été modifié une seule fois. Et jusqu'à maintenant, on l'étudie encore. Alors en fait, quand maintenant on cherche et on essaie d'étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe? On se connecte doucement à quelque chose qui n'est pas lié au temps et qui va nous procurer justement une vraie, c'est pas une vraie, une on va parler d'une forme de joie, mais qui n'est plus liée aux matérialités qui est limitée. Là, on se connecte à l'illimité. Donc c'est la vraie joie selon la Masora, on va dire, des Bnei Israël, c'est quand on étudie la Torah. Donc, quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui veut essayer de compenser cette tristesse-là avec d'autres choses, mais qui n'est qu'éphémère, en fait. Et c'est normal qu'il va être triste, parce qu'à un moment donné, ça finit. Et quand ça finit, je veux faire autre chose. Je veux faire autre chose pour retrouver ça. Donc, en fait, voilà pourquoi maintenant, on comprend ici que dans cette sagesse-là, c'est quoi? C'est que les traits de caractère. Et c'est surtout ça. Alors, j'ai une question alors. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, si on peut faire la part des choses, qu'est-ce qui est le plus important? Pas le plus important, mais qu'est-ce qui va primer en termes de... Si on veut donner conseil à quelqu'un, parce que les deux sont très importants, mais si on devait juste faire un ordre de grandeur, qu'est-ce qui serait le plus grand par rapport à la Torah ou les traits de caractère? Déjà, même la personne qui va étudier, ça va lui permettre déjà de changer ses... Donc déjà, la personne va commencer déjà par exemple par l'étude. Et après, on va commencer par l'étude qui est, vous m'avez dit, la binasse. Et j'ai pas bien compris la question, Rabbi. Désolé. Je vois que donc ce que vous dites, c'est que si quand quelqu'un étudie, donc ça veut dire qu'il faut commencer par la bina. La bina, c'est ce qui va permettre, selon ce que vous dites, si j'ai bien compris, hein, dites-moi. Oui. De construire aussi la sagesse, parce que si on n'étudie pas, on ne peut pas atteindre la sagesse, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc vous avez répondu à la question, et maintenant nos sages me disent l'inverse. Pourquoi? Parce que dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit que quelqu'un qui connaît très bien la Torah, qui connaît les lois, comment les appliquer dans telle situation, mais qui a des midot ra'ot, tout ce qu'il a étudié ne vaut rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un n'a pas de sagesse,
mais qu'il a une bonne une connaissance. On sait qu'il est très fort. On dit, quelle est la race sur cette situation? Quelle est la macérette de telle chose? Et ben en fait, mais qu'au bout de... Si un enfant renverse, par exemple, quelque chose sur son vêtement, il va commencer à être dans la colère. Si. Ah, oh, sorry. Welcome, Rabbi Victor. Sorry. Yeah, I'm going to try to translate Bezat Hashem. So, just I finish the explanation in French. So, he said, il dit ici que le plus important, c'est Midot Tovot. Travailler ses Midot. Et ça, pendant tous ces moments-là, de 0 à 13 ans, c'est les meilleurs moments pour travailler les midot chez les enfants. So basically, for the English speaker, sorry, we are on the this sefer, Megillat Ruth commented by Ben Yishrael, and we are on the pasuk 6, and the Ben Yishrael connected to a specific Tehillim number 146, and then. I will. You will, because I spoke in English also. Bezat Hashem, you will see it on the website and the video. But basically, in one passage of this Tehillim, he said that Hashem, poker ivrim, Hashem open eyes for those who are blind, and from there we try to understand what is the meaning of the word blind here in that case. And the Rabbanit Emuna say that someone who doesn't study Torah, he can be considered as blind. And from there, we try to see with all the limud that we have here in Bosnia Kadisha, and to connect how we can explain what the Rabbanit explained said about the fact that someone who doesn't study Torah is considered as blind. So basically, this is the main. The thing that we are explaining now. So just I'm going to take a picture so that I can finish Bezat Hashem soon. So now that we have all this, so we were basically so to conclude, you said that it's better to build first our midot tovot, which is our character trait than to be someone who really know all the halachot, but he when he faced one situation and he became angry, all that he studied is lost. So this is why also here in Bosnia Kadisha we only focus on midot tovot, on working on our midot, and it's a really big subject. And we and as our rabbi Nathan quotes before, here everybody try to work on their own midot, not to be angry, not to be more humble, etc., and to keep quiet even though the situation push you to speak and to argue. Trying to be more silent. And also, thank you, Harav. Yes, I'm understanding you are teaching, Harav. Yes. I understand you, Harav. I'm understanding. I'm following. No question. No, it's okay. If you have any question, because I'm trying to catch up, because I explained many things in French, and I forgot that we also have to explain in Hebrew, not in explain, but to express in English. Okay. So here, okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Maintenant, on va essayer de connecter tout ça avec l'œil qui n'est plus aveugle. Alors, c'est quoi, du coup? So now we're going to try to explain, Bezat Hashem, what is an eye that is not blind anymore, according to what Rabbanit Emuna explained to us. So let's check this. And we're going to finish on that point, Bezat Hashem. Ein. How we say eyes in Hebrew? Ein.
Did someone know? Oh, comment on dit les yeux, en, bah, un œil, on va dire en hébreu, les yeux? Aïm. Yes. Aïs. Aïs. Yes. Aïm. Aïm. Just like this. Aïm, Yud, Nun. And we know that Aïm is gematria, the numerical value, la valeur numérique de ce mot. Aïm, c'est 70. Yud, it's 10. And Nun, it's 15. And give 130. And here, let me just take just 1 minute. I just need to maybe send. Ah no, send the picture, but. The picture didn't put the picture somewhere. Let's continue. Okay. So this is the word in Hebrew, Ayin. And we know that what is the term that the Pasuk use in order for Hashem to help us to open the eyes, it's Pekka. Pekka is to open eyes. Rabbi, pourquoi le Aïn il est écrit de cette manière, s'il vous plaît? Pardon? Le Aïn, pourquoi vous l'avez écrit de cette manière, s'il vous plaît? La première lettre du Aïn. Mm-hmm. Dans ce sens, oui. Vous l'auriez comment? Ah, je pensais que c'était pas, c'est pas avec du, c'est pas avec Aleph. Non, c'est avec Aïn, justement. Parce que même le nom. Le nom de la lettre, c'est Aïn aussi. Ah, d'accord. OK. Merci, Rabbi. D'accord. Mais c'est avec un Aïn. Mais c'est en lien, justement. Normalement, on devrait avoir un Aleph. Mais suite à la faute, on va pas rentrer dans les détails, mais on va finir très vite, mes attachés, bientôt. And the term that to open eyes, it's with Pekka, which is Gematria also. 188, sorry. And just, do you remember what was the connection when we do the Pidyon Nefesh, you know? Just 1 minute. Hmm. 1 minute, because I had it. Wait, just 1 minute. Okay, so here we know that we saw before that Chokhmah is, let me write it, Chokhmah is the wisdom, okay? And wisdom is all the character trait, the good one, let's say. And as Rabbanit Emunah told us before, that every in Chokhmah, in Bina, and on the seven Za and Nukva, when we pray, we bring down some lights. And what is those lights? We know that. In the Shem Hashem, en fait, on sait que dans le nom d'Hashem, c'est comme ça, encore une fois, on va le voir souvent parce qu'en fait, on utilise beaucoup. Enfin, tout,
tout est basé sur ces, ce nom d'Hachem. Everything is based on this Yudke Vavke. So, K, Vav, K. And we know that every part of this name is connected here. Uchokma, so this is here. This one is called Bina. This one is called Za. And the last one is Malchut. No, Nukva. Nukva, not Malchut, sorry. In that case. Nukva. And every part of this, when we pray, we bring on each part light. And what is this light? It's the Milui. Milui is the sound of the letter Yud Kei Vav Kei, but we expand it. For example, for Yud, we know that it's Yud Vav Dalet. He Yud Vav He Yud. For Bina, it's the same thing, but on the Vav, there is some difference. This one is Yud Vav Dalet. He Yud Vav Aleph. Yud. And for Za, it's like this. Let me put it here. Yud, Vav, Dalet, He, Aleph. Vav, Aleph, Vav, He, Aleph. And the last one, Nukva, it's Yud. I don't know if you can see. I know that those are notions that we study a lot here in Bosnia Kadisha, but it's always good to repeat it so that it stay on our memory base attention. Hey, hey, vav, vav, hey, hey. So those are all the lights, which is the miluim of the same word, yud, kei, vav, kei. We see that every time we have here. Yud, hey, Vav, Hey, but we express the other part by extending the word, this word Yud. It's written like this, Yud, Hey, Vav, Hey, and in that case, it's this combination. So now, how to connect all this with the eyes? We know that for someone who have wisdom, you know how to look at things. Not and not to be trapped on what is really what happened in a physical way. You can see things that is not presenting before you, something that is in a hurani, in a spiritual aspect. How we do this? We see that on the pasuk. David Ameler in the Tehillim said, "Poker Ivrim," which is open eyes for those who are blind. So we see here, Poker Gematria 88, and we know also that that's in Akidveari. That when it comes to Chokhmah is here. And Chokhmah is masculine. And the brain, which is the mohin of masculine one, it's not three parts as we saw before, but four. It's Chokhmah, Bina, Da'at, Da'at from Chokhmah, and Da'at from Bina. So, Hasadim and Gvurot. Those are the four parts of a mohin of a man, when we say like this, of a man. And we see, on that here, it's every part of, when we divide it in by four now, let's divide it, we have this gematria. 188 divided by four, it's 47, how we write it? Oh, sorry. 47 is Mem Zayin. Mem Zayin, we know that it's Mem Vav,
plus the colon, plus the word, the word itself, colon. And we know that mu, what is mu? Mu, no. No, I know. Nu is the second part of the light in Chokhmah. All this that I just highlight, the numerical value of the dose is mu. So why I connect it like this? Because the light that we receive that we build from Chokhmah is only through studying, as say Rabbanit Emuna, and also by working on our midot, only like this. And when we work on our midot and we became more kadosh, more holy, we are able to open our eyes, which is the term pek pokea, open, but in a wisdom way, not in a physical and basic way. Like I see, okay, this is pen. Maybe not. Maybe when we have the wisdom, we can have more information than just the physicality. We have more things to receive from these types of eye. And basically, we see all the connection that Pokea is four times those lights, those part of the light of Chokhmah, which is wisdom. So basically, I will end on that by working on our character traits, our midot, it is even more important, not more important, it is the base in order to receive the Torah and to do it in a wisdom, in a wise way. Not just to learn the halachot and just, I know all things. Okay, I know all the marot, I know the marsertot, I know everything, but when children put something on my cloth, for example, I get angry. Everything that I build and that all this knowledge, it doesn't mean anything as according to the Pirkei Avot. Bezat Hashem. So, also call it. Sorry? Also call it. I just forgot the chapter. Yeah. Call it. It says, the work of man in this world is to tame his mouth. Hey! So, our rabbi here, Abi Elnathan, please, can you you said it really really beautifully. Please. No. And you finish. It's one of the pasukim in the Kohelet. It's quoted by Gra, and it's discussed much more at length by the by one of the Masechet or Masechetot. In the Talmud, I just forgot exactly the Talmud, but I think we taught this sometime, a couple of weeks ago, that the work of man in this world is for his mouth. Mm-hmm. But we were made to understand that my labor is to eat, to get and eat to put in our mouth. But you know, it says, no, it's to tame our mouth. Yes. To be careful what we are saying. Mm-hmm. And not only to be careful what we are saying, it's also said the entire work of man, if he does not have anything to say, meaning the word of Kedusha, the Torah, or the Chazal, the Talmud say, better one to keep silent. Exactly. And so, that was well said, and also, and really to finish, and because I forget to connect. So, what is now the connection with Pekka and Ayin? When we do the difference between Pekka and Ayin, what is the gematria? It's Chen. Oh, my voice. Chen. 58. Chen. Which means. How you translate grace? Ken. Grace. Yeah, Ken. Ken, yes. Ken, yeah. Yeah, Ken. So
chen in Hebrew, it means grace. And also when we change the order, it's gave Noah. And we know the pasuk that say, and Noah matza chen be'ene Hashem. And Noah find grace in the eyes of Hashem. What does it mean? So that by work on our trait of character, we will have the chen, the grace of Hashem, and he will see at us with this chen, and we will be able to see something else than just physicality. But how we do this? By building chen, building the grace in front of the eyes of Hashem, not the eyes of the human, the eyes of Hashem. And this is the pasuk that connect both of these. It was ve Noah, and Noah in matza found chen grace me'ene Hashem, okay? Me'ene from the eyes of Hashem. So that was, maybe I will stop here. If there is any question, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbi. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas les traits des caractères, on ne les change pas que par l'étude. Donc, pour, du coup, même celui qui étudie tous les jours et qu'il y a ce problème des traits des caractères, ça dit c'est midot. Donc, comment est-ce qu'il fait pour changer ces midot? Est-ce qu'il devrait connecter, vous avez parlé de la vue, est-ce qu'il devait connecter cela à Daat, qui est l'intériorité, ce qui ne se voit pas? On va changer. Ah. Alors, c'était un peu entrecoupé, mais je crois que j'ai compris la question. So, pour répondre à la question, en fait, c'est pour ceux qui étudient beaucoup la Torah, mais qui n'ont pas encore travaillé les traits de caractère, en fait, l'idéal, c'est vraiment de travailler les deux. On ne doit pas laisser de côté les midot, parce qu'en fait, dans notre on va dire génération, malheureusement, on met plus en avant quelqu'un qui a fait les études de Torah et qui connaît toutes les halakhot et qui peut être... En fait, les rabbanim qu'on crée aujourd'hui, c'est des rabbanim qui sont experts en loi, mais qui sont susceptibles d'être toujours fragiles en termes de midot tovot, en termes de traits de caractère. Donc, c'est pour ça qu'on peut, maintenant, malheureusement, dans les générations, avoir un rabbin qui connaît toutes les halakhot, mais qui n'arrive pas à être humble, qui est dans la colère, qui est dans la gaava, comment on l'avait traduit, qui a beaucoup d'ego, on va dire, et qui a beaucoup aussi de tava, qui aime le plaisir de ce monde, etc. En fait, c'est quelque chose qui doit se travailler en même temps. Et comment on fait d'ailleurs, nous ici, de ce que j'ai vu, selon de ce que fait le rabbin, donc le rabbin Pinchas, c'est en fait, dès que l'enfant grandit de 0 à 13 ans, on ne se précipite pas à lui enseigner tout à la rote. Bien sûr qu'on peut lui donner ce qu'il faut, mais le plus important à ces âges-là, c'est de travailler les midot. Les midot, c'est quoi? Quand l'enfant commence à faire des caprices, insister et prendre le temps pour expliquer que ce qu'il faut faire en termes de midot tovot. Il faut travailler les midot dès le début. Comme ça, quand à 13 ans, l'enfant va être chayav, il sera obligé de prendre les mitzvot sur lui, et ce ne sera pas quelque chose de difficile pour lui, parce qu'il ne se sentira pas frustré, par exemple, de ces règles-là qu'on lui impose maintenant. Parce qu'il comprend exactement pourquoi ces règles-là sont comme ça. Donc, il y a une sagesse déjà qui a été construite en amont. Donc, c'est pour répondre à votre question, simplement, ce serait ça. Il faut faire les deux, travailler les midot. Et les midot, soit se travaille avec, ici, dans le Bosna Kadisha, c'est Shaarei Kedusha, uniquement. C'est l'écrit. Est-ce qu'on en a ici? Oui. Ça. Je sais pas si je pense que oui, vous connaissez, mais ici, on travaille les midot. Tout est détaillé avec précision par notre maître, Rabbi Chaim Vital. So maybe just to do some resume of what have been said, the Rabbanit Emuna asked about. So how about those who the fact that we someone who study and know Torah? Yes.
Sorry, hello. What book is that you're showing? This is the Shaare Kedusha. It's the gaze of holiness. The gate of holiness. Oh, I wonder if we can get that in England. Can we buy that in England? I'm not sure. Maybe you can find it. Maybe translate. I'm not sure. I don't think that one's translated. But can I buy the same book there in Israel? Here, yes, of course. You find it everywhere, and not everywhere, but in a big, for example, the big library in Mea Shearim, you can find it. Okay, what is the library? Is it called Mea Shearim? In Mea Shearim, the big one. I forgot the name. Grammys. Okay. Yeah. Oh, you can buy it to take. I think they have it, and also if you don't find there, you can ask to, you know, the Ben Ishchai library that is in next to Machane Yehuda. Yes. Ask there, because I think they have also this one. They have that one. Oh, okay. And that one is called the Gate of Wisdom. Sorry? It's called the Gate of Wisdom? Yes. Gates. Okay. Gates of Wisdom, yes. And by Ben Ishchai, right? Yeah? Rabbi Chaim Vital. Oh, I see. It's a different rabbi, yes? Yeah? Yeah, Rabbi Chaim Vital. Oh, okay then. Okay, so I hope to get that one. Thank you. You're welcome. So to conclude, we only work our midot, our character trait, via this book, Shaare Kedusha, that is written by Rabbi Chaim Vital. And the why? Because this is according. He's the student of the Arizal, and all our way of studying Torah is connected to the Sod. The Sod, which is according to the Rabbi Chaim Vital, and we can go further till Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, and also Rabbi Nechina Ben Akanye. This Masorah, this transmission, we are more connected to that. So. If you, I don't know what is your every, those who propose some Musa, which is also, let's say, work on the Midot, yes, it's also good, but we're here because we study in Sod. This is our pillar, one of our pillar to work on ourselves, how to be humble, how to be silent at the right moment, how to not fall into our desire and pleasure in life, and also how to be happy. Those are the four midot that we need to build, Bezat Hashem. So if there's no question anymore, we will see Bezat Hashem tomorrow. And till then, I will wish you a Yom Tov and Baru Anonai Leolam Amen Ve'Amen. Amen. 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 Bye-bye.